toutes et à tous, c'est Axe45 et on se retrouve pour ce 23e épisode de Mario et Luigi Superstar Saga dans les fonds marins près du bateau du millésime. Voilà. C'est vrai, on en était à suivre la Vege étoile qui avait une forte tendance à vouloir partir. Voilà. Je peux pas y aller là. Pas grave. Où puis-je aller? On va dire là-haut. Détour pour le canton ouais. Alors là, par contre, je ne connais pas du tout le chemin. Donc. Fire. Ok, bon, j'ai eu du bol en me dirigeant par là. Voilà. Bah voilà, hein, la chance, ça fait partie du jeu. De toute façon, voilà, cette porte était ouverte. Je vais continuer à voler assez haut. Non, je peux vraiment pas y aller. Hein. Il n'y a pas à faire. Bon, bah, écoutez, je vais aller tout droit, hein, puisqu'a priori, je peux y aller. Il me semble que ouais, j'étais déjà venu ici. Ok, d'accord. Donc là, c'est exactement le même chemin. Bon, bah, a priori. Qu'est-ce que je fais là, quoi? C'est la question que je me pose. Ici, ça a l'air de s'enlever, mais je sais pas comment. Non, c'est pas pratique tout ça. Hein. Ok, maintenant, je suis coincé. Ah bah décidément. Plus là, le fait de nager, ça me plonge les doigts. C'est pas très très agréable. Hop, voilà. Là, je vais juste poser à chaque fois pour redémarrer. C'est pas franchement très pratique. Donc voilà, je repasse par là-haut. Donc oui, donc là je suis là, et je peux aller aussi en bas. Mais moi c'est pas trop par là qu'il faudrait que j'aille en fait. Et non, ça c'est bien. Voilà, c'est... puisque j'arrête de toucher la carte. Oui, normalement je peux. Oups. Petit fail. Ça c'est fail par contre, beaucoup. Donc, marteau, sur les oursines. Hop, pareil. Et un gompois doré. Qui, je suppose, va s'en aller. Non. Ça m'aurait pas étonné. Ah, je crois qu'il m'a empoisonné. Oh là là, je suis pas. Je fais n'importe quoi, moi. Hein. Bon, enfin bon. Sinon, j'espère que vous ça va, que tout se passe bien. Bon, après, rien d'extraordinaire. Mis à part que là, bon, je parle pas beaucoup parce que il est quasiment 1h du matin, donc je suis pas tous mes réflexes maximum, hein, si on peut dire ça comme ça. Et que bon, je suis un petit peu crevé, quoi, faut le dire. Mais que je tenais quand même à assurer cette vidéo de ce samedi. Mais que ouais, voilà, je suis pas très alerte, on va dire. Là, je suis moyennement dedans. Badge de pique, ouais, intéressant. Bon, je suis fail totalement, mais... Regardez-moi ça, je peux aller nulle part. Je vais me laisser tomber. Ouais, je vais être remonté là. Décidément, c'est pas normal. Normalement, je pourrais y accéder. Pourquoi ne puis-je pas? Alors, vous voyez aussi bien que moi. Et je vois pas trop comment on peut y accéder. Donc, là, j'ai le choix d'aller en haut. Mais le problème, c'est qu'après, je peux pas continuer. Je peux retourner au niveau du bateau, mais ça sert à rien.
quoique je pouvais pas aller à gauche. Ça se trouve, je fais tout ça pour rien. Si ça se trouve, je m'embête pour pas grand chose. Tout simplement. Écoutez, je vais remonter comme ça, puis je vais bien voir. Parce que, mis à part avoir ouvert une porte, a priori ce qui serait censé être vers le canton aidé. Ok, d'accord. Donc qu'est-ce que je fais là, quoi? Qu'est-ce que je fais ici? Enfin, je devais j'ai dit à le coin des surfeurs. Avec une roche trop dure pour moi, donc... Ouais, ça me paraît bien bizarre tout ça. Je ne comprends pas tout ce qu'il faut que je fasse. Parce que là, bon, je vais retourner dans le temps. Ok, je peux pas passer par là, c'est pas grave. Et je passe. Oh, sérieux? Je peux plus remonter? C'est quoi cette arnaque? Oh là 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 là. J'ai dû faire une grosse connerie. Passer par là en fait. Donc bah vous savez quoi, hop, presque comme un demi-tour, hop, non je peux pas quitter d'ici, donc bah je vais faire un reset comme ça, hein, à l'arrache, parce que je suis un fou. Voilà, tac 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 tac, hop 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 hop, en passant à grande vitesse. Donc vous allez voir, max de FPS, si ça a pas fait planter mon fraps. Que nous dirigeons donc. Alors là, il voit le morceau d'étoile partir. Ok, donc ça, pour le moment, j'ai envie de dire normal. Donc on peut pas y aller. Donc réaction logique. On suit une des routes. Ah, puisqu'on est normal. Voilà, et on va allumer ça avec le feu. Jusque là, je pense que tout le monde a suivi, hein. Moi le premier. Ça a ouvert la porte. Bien. Faut-il que je bourrine les touches comme un gros cinglé comme ça? Eh bien non, ça ne marche pas. Donc là, je suis un peu embêté. Est-ce que je pouvais pas cramer les coraux? Non. Non. Pas les taper non plus. C'est électrocuté, ouais, non. Dans le doute, hein. Dans le doute, on peut tout faire. Donc là, toutes les flammes sont allumées. Bizarrement, hein. Je suis sûr. Je pense que j'ai loupé quelque chose, mais... J'ai dû louper quelque chose, quelque part, sûrement dû à la fatigue, parce que là je ne vois pas du tout. Et ça commence un peu à m'énerver. Je supporte pas ne pas comprendre l'énigme, surtout que pour l'heure d'être bien compliqué. Ça doit être plutôt simple en plus, mais j'ai dû louper un élément essentiel. Je vois pas du tout ce que je peux faire de plus que de bourriner les touches et de descendre. Hein. Donc je vais faire une micro-ellipse et puis je vais voir. A tout de suite. Bon bah heureux, hein, j'ai réussi à passer. Alors, comment, je sais pas en fait, j'ai bourriné les touches jusqu'à temps d'être à la hauteur maximum d'envol et puis j'ai avancé et puis j'ai réussi à passer. Donc bon, soit c'était moi qui était franchement pas doué, soit c'est un petit bug du jeu, hein, ça peut arriver. Après tout, pourquoi pas. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est pourquoi il fait des cœurs. C'est bizarre. Et j'ai pas envie de savoir hein, ce que c'est censé, à quoi c'est censé correspondre. Voilà.
vite chip chip. Hop là, une magnifique attaque à 85. Une attaque brosse, je vais faire l'attaque bascule parce que j'ai envie. 57. Voilà, je saute un peu aléatoirement, mais bon. Tac, allez, 2-1. Tac, tac, et 2-2. Et c'est nickel, ça passe. Voilà, le chip chip est mort. Bon, je vais éviter quand même de tuer trop de mobs. Oh, l'autre, elle m'attaque de loin avec ces trucs là. C'est galère, je préfère sauter deux fois. C'est un peu bizarre comme attaque. Enfin bon. Hélico. Allez. Hop. Hop. Nickel. Moi je dis ces petites attaques parce qu'après tout, elles coûtent pas si cher que ça. Puis que maintenant, je peux me permettre de les utiliser grâce à mon regain de points. Hop. Ouais. Ok. Merde, je crois que je me suis fait avoir. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi ces sorties? Impossible à prendre là. Il va falloir qu'on m'explique un truc parce qu'il me manque quelque chose. C'est. À moins que ce soit un saut. Ouais, bon, d'accord. Pourquoi je m'embête à faire compliqué des fois? Oh là 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 là. Ok, donc là on passe par là. Feu. C'est pas feu, c'est l'électricité. Peut-être mal placé. Ok, c'est pas feu. Alors, petit thunder. Donc c'est peut-être un objet à placer. Ça, je me souviens même plus comment j'ai cassé la dernière fois. C'est bizarre ça. Décidément, j'arrive à rien aujourd'hui. Oh, non, c'est pas. C'est pas moi qui déconne. Comment est-ce que je casse Koro? Ah mais attendez. Je suis vraiment crevé moi. Allez. Voilà. Non, tu peux pas annuler une flamme comme ça. Ça marche pas ça. Une sphère électrique, c'est pas pour lui. Ok. Voilà, je me disais bien aussi que les coraux comme ça, ils s'enlevaient pas. Ils s'enlevaient pas d'un coup. Ok, donc je retourne chercher Luigi. Tac tac tac. Voilà. Clic. On repasse Mario en grand. Ensuite on passe Luigi devant. Qu'il puisse sauter d'abord. Voilà, on active cette méduse, hein. Je pense que ça c'est une méduse, en tout cas ça y ressemble franchement. Hop, et je passe Mario devant, comme d'habitude. Eh ben j'aurais pas mal galéré, hein. Canton et... Je crois que ça mérite bien une petite sauvegarde parce que sinon... Ah ouais, parce que là si je sauvegarde pas... Oh lolololololo. Fond marin, Kanto et pourquoi fond marin slash S? Bon. Ne pas chercher à comprendre toutes les illogicités de cette planète. Donc, on remonte à la surface. C'est pas pour me déplaire.
Petite musique sympa en plus, quand on est. En tout cas, c'est ce que je m'en souvenais qu'après. Hop. C'est tranquille. Voilà. La technique de bleu saut, ouais, ça marche trop trop mal. De toute façon, c'est que quelques pièces après tout. Voilà, on fait passer. Les habitants ressemblent à des. À tes Lipoutous. Excusez-moi, je vois pas d'autres. Je vois pas d'autres liens. Les Lipoutous de Pokémon. Franchement, surtout celui-là, il me fait penser un peu. Madame, avez-vous entendu les rumeurs sur le prince Rick? Oui, je les connais. J'ai entendu dire qu'il courait partout à la recherche de quelque chose. Oui, apparemment, le prince Rick est en difficulté. Je me demande s'il viendra par ici. Je ne sais pas s'il viendra par ici. Alors, on va aller se balader un peu. Oui, alors oui, j'ai vu le point de sauvegarde, mais bon, c'est pas, vous n'êtes donc pas à 2 minutes près. Enfin, si, même moi, je le suis. Hop, ouais, on va par là-bas. Dégagez le chemin, vous deux. J'ai des nouvelles sensationnelles et les toutes dernières rumeurs. Vous devez m'écouter. Oh, c'est un de ces pois brillants qui sont tombés du ciel. N'est-ce pas celui que Krustasov aurait trouvé? Non, Krustasov a ramassé un pois et décoré sa coquille avec. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Cela ressemble à un arbre de Noël, paraît-il. Eh, ça doit être génial! Nous devrions peut-être aller voir ça. Oui, c'est une très bonne idée. Allons-y. Moi, si je me souviens, Krustasov, c'est un boss. Donc je vais éviter d'y aller. Si vous restez là trop longtemps, attention au coup de soleil. Je vais aller voir au nord, donc, puisque se dirige par là. Je vais aller voir ailleurs. Je vais aller voir ce qui se passe au nord. Puis on va se laisser là. Ah, un poids. Tac. Mode tête chercheuse. Hop. Voilà, un tuyau pour cette zone. Le canton est. Donc il nous manque toujours le tuyau 6. Hein. Bon, j'essaierai de faire une petite recherche pour savoir où est-ce qu'il était. Bon bah écoutez, cet épisode aurait été plus court que d'habitude, mais moi pour le montage et l'upload, ce serait quand même beaucoup plus pratique que je sauvegarde là. Et puis bon, on est quand même avant un boss, donc c'est pas rien. Moi je préfère qu'on fasse comme ça et qu'on se retrouve pour la prochaine fois. Donc bah sur ce, j'espère que vous avez passé un bon épisode, malgré ma fatigue extrême, là et toutes mes petites erreurs un peu bêtes, tout simplement. Donc je m'en excuse, et puis bah je vous souhaite une bonne journée, et à bientôt, allez, bye tout le monde. Well, somebody told me you